Donc à la fin de la cérémonie, pour ne pas plus rapidement, et puis on partira dans ce sens-là. Et on ira vous suivre. On partira comme ça, donc là derrière. Général, mon capitaine, Monsieur Quadri, président des Marocains d'Argentan, accompagné de Monsieur Taïbi, imam d'Argentan, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez participer a pour but d'honorer la mémoire d'un combattant marocain inconnu, mort pour la France le 17 juin 1940, alors que les Allemands envahissaient le département. À la demande de Monsieur le maire et de son conseil, le Souvenir français de l'Orne, que j'ai l'honneur de diriger, a pris la responsabilité de cette tombe et a fait réaliser sa restauration. La cérémonie comprendra la prière des morts par Monsieur Taïbi, imam d'Argentan, le dépôt des gerbes, la sonnerie aux morts, la minute de silence suivie du refrain de la Marseillaise. Et pour terminer, nous écouterons la marche des tirailleurs. J'ai posé une gerbe avec Madame Passet, présidente de la Ferté-Massé. J'invite M. Goulard, maire de Saint-Brice-Touraine, à déposer sa gerbe. Vous pouvez la présenter à M. le maire. Monsieur général, bien formant. Vous pouvez l'accompagner, monsieur. Accompagné de M. Christophe, conseiller général. Donc. Pour terminer, j'invite M. Fraquet, sous-préfet d'Argentan, à déposer sa gerbe. Vous pourrez rester là, M. le sous-préfet, pour la sonnerie aux morts. Aux morts! C'est mieux reprendre ce nom.
Oui, non, mais les marches, c'est trop dangereux. Au pied, mais regarde à vous. Bien pour l'ensemble, bien. C'est toujours sur ce garde à vous, je suis fixe. Voilà, c'est par là, monsieur, c'est par là. Ne connaissant ni son nom ni son matricule, c'est en quelque sorte le soldat inconnu de la commune. Seule une croix de bois et un casque de l'armée française, qui hélas ont disparu avec le temps, marquaient la présence d'un militaire. Heureusement, en début d'été de cette année, une rencontre produite avec messieurs Dupré et Tebbin, respectivement délégué général départemental et délégué adjoint du souvenir français, m'a permis, au cours d'une conversation, de porter à leur connaissance la présence dans le cimetière communal d'un soldat de 1940 et que sa tombe ne me semblait pas nommée. À l'écoute de mes propos, ces personnes entreprirent des recherches auprès des services compétents qui confirmaient les faits. C'est donc grâce à M. Dupré, sur son insistance auprès du souvenir français, que celui-ci a bien voulu prendre en charge la restauration de cette sépulture. Cette cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui a pour objet de rendre à un combattant de l'armée française l'hommage de la nation qui lui était due. Aussi, au nom des membres du conseil municipal, au nom de la population de Saint-Brice, en mon nom personnel, j'exprime à M. le lieutenant-colonel Dupré et à son adjoint M. Tebbin toute ma vive gratitude et mes plus profonds remerciements. Je salue et remercie toutes les personnalités qui, par leur présence, ont rehaussé cette cérémonie, M. le secrétaire, M. le conseiller général, M. le capitaine Gély, commandant la compagnie de gendarmerie d'Argentan, messieurs les maires et élus, monsieur le président des Marocains d'Argentan, accompagné de l'imam d'Argentan, messieurs les représentants du souvenir français, monsieur le lieutenant-colonel Dupré, monsieur le major Tebbin, mademoiselle Lelièvre,
en or, messieurs Baucher et Le Lièvre du comité d'Alençon, madame Passé, Jeanne du comité de l'affaire Témassé, messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, monsieur Baucher Jean, monsieur le colonel Godet, que je n'ai pas vu, et lui-même a servi dans les tirailleurs, et monsieur le colonel Andrieux, monsieur Gallo, maire honoraire de Saint-Brice, monsieur Busquet, président cantonal des anciens combattants, monsieur Gallo, président de l'association communale des anciens combattants, messieurs les porte-drapeaux et leurs présidents respectifs, et mes remerciements les plus sincères aux habitants de Saint-Brice et autres qui se sont joints à nous aujourd'hui. Je vous remercie. Conseiller général, monsieur le directeur, monsieur le directeur adjoint, mesdames, messieurs, les associations, le maire, mesdames, messieurs. C'est un moment de grande tension pour nous, un moment fort. Nous en avons régulièrement. Nous en aurons bientôt, le 11 novembre, mais aujourd'hui c'est un moment très fort. Très fort parce que nous avons affaire justement à un soldat inconnu. Et le soldat inconnu, je dirais, malheureusement, a échappé à sa famille. Sa famille ne sait pas ce qu'il est devenu, on sait qu'il est décédé lors d'un combat. Et ce que j'ai appris par le représentant du souvenir français, tout à l'heure, en aparté, c'est qu'il est mort en résistant. Et il est mort juste avant le discours du maréchal Pétain. Donc, vraiment, c'est un acte très fort, une grande dignité. Et en parlant de dignité, je dois remercier M. le maire. M. Goulard, que je connais très bien, non seulement pour les sujets de sa commune, mais aussi pour les sujets importants, parce que c'est le grand défenseur, je dirais, des communistes. Sur le territoire et donc nous connaissons, nous croisons régulièrement. En constatant que cette tombe d'un soldat inconnu marocain n'était pas digne, vous avez eu une réaction tout à fait, je dirais, responsable. Ceux qui sont morts pour la France méritent à tout jamais d'être reconnus comme tels, comme héros de notre pays. Et donc, il faut que nous ayons beaucoup de dignité vis-à-vis. Et comment avoir de la dignité vis-à-vis d'une tombe qui n'est pas digne? Donc, je tiens à remercier Souvenirs Français de tout le travail qu'ils font. C'est pareil, le Souvenirs Français, partout où je suis passé, ils sont présents et ils permettent généralement. Ils engagent des opérations de maintien de tout ce patrimoine qui est très important. Et pourquoi est-il important, et je terminerai par là, parce que malheureusement, les souvenirs s'estompent très vite. D'ailleurs, remarquez sur cette tombe, il y avait un signe, je crois, un casque. Et au bout d'un moment, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire la nature avait repris ses droits. Et on aurait continué encore 10 ans comme ça. Je suis désolé de le dire, mais on aurait presque oublié qu'il y a un homme qui s'est battu, qui a résisté et qui en est mort. Alors, merci à tous de rappeler ces souvenirs pour nos jeunes. Alors, il y en a un certain nombre, je me tourne, je ne vois pas beaucoup nos jeunes. Mais il y en a. Mais c'est pour leur dire qu'il ne faut jamais oublier. On est toujours à une période où il y a un risque potentiel. On voit par exemple, regardez l'actualité dans le monde, tous ces pays qui où c'est la dictature, et là, ça peut basculer, et du jour au lendemain, eh bien ce sont des quantités importantes d'habitants qui sont tués, qui sont, sacrifiés au nom d'idéaux qui n'en sont pas, qui sont totalement insupportables aujourd'hui. Alors, cette période de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de témoins. Des témoins qui l'ont connu, il y en a quand même de moins en moins. Et c'est important de faire passer le message. Alors, grâce à cette tombe, eh bien, on va faire passer un message. Et dans la mesure où vous allez l'entretenir,
je dois dire que c'est très satisfaisant, parce que ce que je sais, dans tous les départements de France, quand le souvenir français prend charge l'entretien d'une tombe, croyez-moi, c'est quelque chose qui est très suivi. Alors merci à vous tous, merci monsieur le maire, merci à vous de tout ce que vous avez fait, merci à la communauté marocaine que je salue aujourd'hui. Merci à vous tous, mesdames, messieurs, d'avoir voulu montrer que vous étiez présents à cette cérémonie. Nous sommes quand même un territoire très riche en histoire, notamment de la Deuxième Guerre mondiale. Alors faisons en sorte que tous nous rappelions, et surtout que nous rappelions à nos enfants, bien que cette histoire, c'est aussi la leur. Merci. David Bert, pour approcher du public, on accompagne le Franck Le Vert d'amitié.